Chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, vous voyez cette vidéo, je la fais un peu à l'arrache parce que ce matin, j'ai reçu un mail de YouTube m'intimant à faire absolument quelque chose sur certaines de mes vidéos parce que certaines personnes ont dit que mes vidéos étaient des spams. Voilà. Bon, comprenez ce que vous comprenez. Mais il y en a qui accusent que mes vidéos ne sont pas diffusables sur YouTube. Et je ne sais pas qui c'est qui fait ça. Moi, ça fait 3 ans que je suis sur YouTube. 3 ans. Il y a plus de 600 vidéos. On est un peu plus de 2440 amis astronomes. Donc moi, je veux maintenant savoir qui fait ça. Je veux la vérité. La vérité totale. Je veux savoir. Parce qu'il y en a marre. Que YouTube me harcèle aussi, moi. Parce que je comprends pas. Je ne enfreins pas les règles. Je partage simplement ce que j'aime, c'est-à-dire l'astronomie. Je fais de mal à personne. Je ne dis de mal à personne. Je dis du mal sur personne. D'ailleurs, on m'a accusé une fois dans une vidéo comme quoi j'avais dit du mal de AstronoGeek, donc Arnaud Thierry, et de Florence Porcel. J'avais dit du mal d'eux, alors que les vidéos sur ma chaîne que je parle d'eux, elles sont encore en ligne sur la chaîne. Je n'ai jamais dit de mal d'eux. Moi, je vais dénoncer un truc, par contre, parce que maintenant, j'en ai marre d'être gentil avec tout le monde. Ça fait 3 ans que je ferme ma gueule là-dessus. Mais à l'époque, quand il y avait eu cette histoire d'accusation, comme quoi j'avais dit du mal sur Florence Porcel et sur Arnaud Thierry, je leur avais réclamé de l'aide. Simplement de l'aide. C'est rien d'aider quelqu'un qui est dans la merde. Et parce que, soi-disant, j'avais dit du mal d'eux. Je leur ai simplement demandé d'aide et... Voilà, j'ai jamais eu d'aide de leur part, ni de Florence Porcel, ni de Arnaud Thierry. Ils m'ont bien envoyé chier, ils m'ont bien foutu la merde. Alors, je sais, je risque de perdre des amis astronomes en disant ça, mais moi, c'est la vérité. Moi, la vérité, elle est là. La vérité, c'est que j'ai fait des vidéos sur eux, oui. J'ai parlé d'eux, oui, mais en bien. Voilà, allez voir les vidéos, elles y sont. Voilà, sur YouTube, elles sont sur ma chaîne. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que ma chaîne risque de disparaître dans 24 heures. J'ai fait exactement ce que YouTube m'a demandé ce matin avant de faire cette vidéo. J'ai fait ce que YouTube me réclamait. J'ai fait des réclamations sur certaines vidéos parce que je trouve que sur certaines vidéos, on m'accuse d'avoir fait des vidéos spam injustement. Donc j'ai fait des réclamations. Peut-être que cette chaîne va disparaître à cause de ça. Parce que YouTube ne sera peut-être pas d'accord avec moi, pas d'accord avec mes réclamations. Donc, il risque de disparaître. Ma chaîne, dans 24 heures, risque de disparaître. Si ma chaîne n'est plus diffusée dans 24 heures, ou même à la suite de cette vidéo. C'est pas grave, j'arrêterai YouTube, ce sera terminé pour YouTube. Je continuerai à faire des vidéos, mais je les diffuserai sur Facebook. Voilà. D'ailleurs, il y a une vidéo normalement qui doit être diffusée le 9 novembre, le samedi 9 novembre à 18h. Il y en a une autre qui doit être diffusée aussi le 16 novembre à 18h. Si la chaîne elle est encore là, bon, vous les verrez sur YouTube. Si la chaîne n'est plus là, je les diffuserai sur Facebook. Cette vidéo-là aussi va être diffusée sur Facebook. Parce que je veux qu'un maximum de gens sachent ce qui se passe sur ma chaîne. Ça fait 3 ans que je suis là. Ça fait 3 ans que je monétise mes vidéos. Ça fait 3 ans que je ne touche rien. Il y a presque 600 euros de YouTube Money qui sont bloqués par YouTube. Par YouTube parce que c'est Google, compte AdSense, YouTube, d'accord? Les trois, c'est la même identité. Dans la même identité, la même entité. Donc, ils me bloquent ma YouTube Money aussi. Donc, j'en ai marre, fini, terminé, ils veulent bloquer la YouTube Money. Moi, je ne l'ai pas volé, cette YouTube Money. C'est eux qui proposent de monétiser les vidéos en mettant des pubs sur les vidéos. Moi, je n'ai pas enfreint les règles de YouTube, d'accord? Mes vidéos n'enfreignent pas les règles de YouTube. Je ne mets pas de musique exprès. La seule musique qu'il y a, elle dure 10 secondes et c'est la musique que vous entendez quand je fais quand il y a ma petite intro avec Fred l'Astronome qui apparaît sur la planète Terre. Mais tout ça, c'est fait avec des logiciels de montage vidéo Final Cut Pro. Donc j'ai la licence, je l'ai acheté. La musique, elle a été créée sur Logic Pro X. Donc Logic Pro 10, qui est aussi un logiciel que j'ai acheté. Les sons que j'ai utilisés sont totalement libres de droit. Je n'ai volé aucun son à personne. La seule fois où j'avais mis 10 secondes de musique sur une vidéo, c'était pour rendre hommage au chien de Laurent, la chaîne 7900, Maurice. J'avais fait une petite 10 secondes de musique à la fin. Mais bon, YouTube, les ayants droit ont réclamé à YouTube comme quoi
je devais soit pas monétiser la vidéo, soit, enfin, il n'y avait pas de, vraiment de légitimité, il n'y avait vraiment pas de risque que ma chaîne soit supprimée à cause de ça. J'ai fait une réclamation auprès des ayants droit. Ils ont autorisé à ce que je monétise la vidéo, mais je ne touchais pas la monnaie de cette vidéo-là. Donc, moi, j'ai accepté ça, donc j'ai tout accepté. J'ai accepté tout. Et on continue à me harceler. Donc, si cette chaîne disparaît dans 24 heures, ça veut dire que YouTube ne soutient pas du tout ce que je fais. Et ça veut dire que YouTube est complice des harceleurs. Donc, à ce moment-là, la loi française, elle est claire. Si YouTube est complice des harceleurs, j'ai le droit de porter plainte contre YouTube. C'est clair, net et précis. La loi française, elle est claire. On est en France, YouTube. On n'est pas aux États-Unis. Vous n'êtes pas soumis aux lois des États-Unis ici. Vous êtes en France. D'accord ? J'ai le droit aussi d'être confronté à mes accusateurs. C'est la loi française qui le dit. D'accord ? Donc, j'ai réclamé à YouTube d'être confronté à mes accusateurs. On verra s'ils répondront ou pas à mes demandes. Voilà. En attendant, je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais simplement demander une chose. Cette vidéo ne va pas être monétisée, bien évidemment, puisque ce n'est pas de l'astronomie, c'est juste simplement de l'information. Voilà. Donc cette vidéo ne sera pas monétisée, parce que c'est du sérieux ce que je raconte là. C'est véridique, la chaîne risque de disparaître dans 24 heures. Je demande à... J'ai plus de 2400 amis astronomes. Je demande un soutien de ces plus de 2400 amis astronomes. Si vraiment vous aimez cette chaîne, soutenez-moi. Mettez-moi le nombre d'abonnés, le nombre d'amis astronomes. Je veux le même nombre en pouces bleus. Hein, vous mettez des pouces bleus, le même nombre. Vous mettez des commentaires en disant « Je soutiens Fred l'astronome ». S'il vous plaît, faites-le. C'est vraiment important. Cette vidéo, je vais la diffuser le plus possible dans la journée-là. Elle sera diffusée aussi sur Facebook. Voilà. Sachez-le. Parce que je ne veux pas qu'elle soit coupée sur YouTube. Parce que j'ai un droit de réponse. Je réclame un droit de réponse. Et je réclame à être confronté à mes accusateurs. Voilà. C'est normal. On est en France. Et en France, quand quelqu'un est accusé de quelque chose, il peut réclamer le droit d'être confronté à ses accusateurs. Et je fais simplement le droit français. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je ne vous prends pas plus la tête là-dessus. Merci. Si dans 24 heures, cette chaîne elle est encore là, eh ben, je continuerai YouTube. Si la chaîne n'est plus là dans 24 heures, ben, ce sera fini. Tout ce que j'ai fait sur YouTube, les soutiens, tout ça, ce sera terminé. Voilà. Terminé. Mais fini. Hein. Terminé. Moi, je resterai dans mon coin, chez moi. Je ferai mon astronomie. Terminé. Voilà. Je ferai des vidéos. Je les diffuserai sur Facebook. C'est tout. Point barre. Voilà. Je remercie tout le monde. Si les gens qui me soutiennent, je vous remercie par avance. Voilà. Ceux qui ne veulent pas me soutenir, eh ben, tant pis. Je vous dis au revoir. Je vous demanderai de vous désabonner de ma chaîne si vous ne me soutenez pas. C'est pas à peine de rester abonné à ma chaîne si vous ne me soutenez pas. Voilà. Je préfère autant ne pas avoir autant d'amis astronomes si c'est pour ne pas être soutenu. Voilà. Ceux qui me soutiennent, ben, merci. Je vous remercie d'avance. Et je vous dis au revoir, à bientôt. Et peut-être pour de prochaines vidéos. Voilà. Et sinon, ben, sur Facebook. Voilà. Au revoir.